Bonjour, monsieur stagiaire. Bonjour à tous. On va voir dans le cadre de droit des affaires, toujours dans la séquence Société à responsabilité limitée, le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales. On va discuter de ce sujet. Retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales. Eden, bismillah, le retrait des fonds venant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société compromise d'une attestation justifiant que la société a été rémunérée au registre. Le retrait. En outre, cette attestation peut être délivrée par voie électronique. Dans des conditions fixées par voie réglementaire. Voilà. En outre, si la société n'a pas constitué dans le délai de 6 mois à compter du premier dépôt, le fonds. Les
apporte de représentation. Une attestation. De non immatriculation de la société en registre du commerce. Soit individuellement, soit par mandataire, les représentants. Demander à la banque de lui durer le montant, pardon. De le rapport. Voilà, premier point. Maintenant, voilà qu'il si les apporteurs décident ultérieurement constituer la société, il doit procéder à nouveau au dépôt de fonds. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'augmentation capital. Voilà, on a terminé cette 40, merci de vous attention jusqu'à la prochaine.